Good morning, allez, Iden, et juste aujourd'hui, le Lunishmat, François Fajibin, Hana, Janine, Rude, Bot Fortune, Bessel Fritna, Clouche, Romo, Shalom, et Ishaya, Ben Nida, si vous êtes aussi des dix, prochaine étude de Misha. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions. Masechet Brachot, Perek Gimel, Mishnah Hey, Aya, Omed, Batevila, Beniskar, Shiou, Balkeri, Lo Yafsik, Ela, Yekatser, Yarad, Litbol, Im Yachol, La Alot, ou Lehit Kassot, Velikrot, Achelotane Sahama, Yale, Veit Kassé, Veikra, Vimlav, itkase bamaim veikra, aval, lo itkase, lo bemaim haraim, velo bemea mishra, ad shatil le tochan maim, vekama yarchek mehen, umina tsoa, arba amot. On continue avec le sujet du Baal Keri. Vous vous rappelez qu'on avait appris dans la Mishnah précédente que Baal Keri, quelqu'un qui a eu un épanchement nocturne, ou bien même qu'il a eu un rapport, avec sa femme, et le, il y avait dans un premier temps, on avait fait un décret qu'il est interdit de prier et interdit de lire, d'étudier de la Torah tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Point de départ. Après, on a expliqué qu'au fil du temps, ce décret il a été annulé parce que le monde n'arrivait pas à s'en tenir. Malgré tout, c'est quand même bien de le faire, autant qu'on a la possibilité d'aller au mikvé autant que possible. Il y a maintenant. On va prendre maintenant une nouvelle situation dans notre Mishnah, Aya Omed Batfila. Il se tenait dans la Tfila, il était en train de prier. Il a commencé sa Tfila le matin, tranquillement, il a mis ses tuilines, il commence sa Tfila, il est en train d'arriver maintenant, il est en train de lire le Shmona Isre, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Wa Kadosh. Ça m'appelle que je ne suis pas Kadosh, moi si je suis impur, je dois aller au Migvé, oi oi oi, je suis Balkiri, j'ai oublié, j'ai commencé à prier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête immédiatement, je coupe tout et je vais au mikvé ou bien non? Alors la Mishnah vient me dit, Aya Omed Batfila, il se tenait en pleine tfila, Venizkar Sheu Baal Keri. Et il s'est souvenu qu'il est Baal Keri, qu'il n'a pas le droit de faire la tfila, mais maintenant c'est trop tard et là j'ai commencé. La Mishnah me dit, Lo Yafsik et la Yekatser. Il ne s'interrompra pas en plein milieu, mais il raccourcira sa tfila. Sur quoi qu'il va raccourcir sa tfila? Il va dire le premier, un bout de phrase de chaque tfila et dire Baruch Ata Hashem. Ata chonen adam dat, Baruch Ata Hashem chonen adat. Hashemino avinu la Torah techa, Baruch Ata Hashem arose bishuva. Selach lanu avinu kichatanu, Baruch Ata Hashem soleach. D'accord? Chanon arabe slor. Et ainsi de suite. Un début de phrase et il conclut. C'est comme ça qu'il raccourcit sa tfila parce qu'il n'a pas le droit de prier. Tu as déjà commencé, tu t'arrêtes pas en plein milieu, mais tu l'as fait le plus court. Yarad Litbol, maintenant deuxième situation. Il s'est levé le matin, il s'est souvenu qu'il était Baal Keri, et le Netz, il est à 5h35 du matin. Et il s'est levé à 5h22. Waouh, il court. Il est obligé normalement de se tremper au mikvé, de se lever, de s'habiller, de lire le schéma. Puisqu'il faut lire a priori, jusqu'avant le Netz Achama. D'accord? Selon l'avis qui craint le Netz Achama. Donc. Ce qui se passe, c'est que maintenant, il s'est levé, 5h, on a dit 5h22, il s'est levé, 5h35, le net, il court, il arrive au mikvé, à tout casser, et il commence à se tremper au mikvé, il est 5h33 quand il commence à rentrer dans l'eau, il arrive, l'heure, elle est passée à 5h34, imaginez, il n'aura pas le temps de se lever, de se rhabiller pour lire le schéma. Donc maintenant, il vaut mieux, écoute, d'abord, il faut finir le schéma même, avant le net sahama même. Il te reste maintenant 2 minutes, il n'y a rien à faire, tu n'auras pas le temps de te lever, de te rhabiller. La solution qu'on lui propose, c'est quoi? De lire le schéma dans le mikvé. Quoi? Il est tout nu? Ouais. Mais il y a des solutions. Il n'est pas tout nu, d'abord, il est couvert par l'eau. Et si l'eau, elle est un peu floue, imaginez qu'il y a, je ne sais pas ce qu'on a pu mettre dedans, c'est fréquent d'avoir de l'eau un peu avec sur du calcaire, elle est blanche. Quand on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Tout simplement, c'est ce qu'il faut. Dans ce cas-là, il peut se couvrir dans l'eau. D'accord? Alors, regardez. Il y a un délit de vol. Il est descendu dans le mikvé pour se tremper. S'il a la possibilité de sortir, de monter, et de se couvrir, et de lire le schéma avant que le Netzachama, jusqu'à que le soleil pointe son nez, le lever du soleil concrètement, eh bien, il devra monter, s'habiller, lire. Veim lav, mais s'il n'aura pas le temps, alors itkase bamaim veikra, il se couvrira dans l'eau et il lira. Ok? Il se couvrira dans l'eau. Donc, on a dit de l'eau, pas de l'eau limpide où on réussit. C'est simple, il faut. Est-ce que s'il se voit, est-ce qu'il voit qu'il est tout nu ou pas? Si jamais l'eau elle est
flou, c'est fréquent, il peut y avoir toutes sortes de produits. Imaginez, vous êtes dans, vous êtes parti vous tremper dans un mikvé TV avec de la terre, c'est facilement qu'il y a de la terre, on voit plus clairement ce qui se passe en dessous. Ouais, quand on partait dans, si vous partez vous tremper dans les rivières, dans les masloulim ou les trucs comme ça, il y a, on très rapidement, on voit qu'on a, on se voit pas. Alors dans ce cas-là, on pourra lire. Par contre, si l'eau elle est limpide, alors on ne pourra pas lire, mais on pourra avoir la possibilité de remuer l'eau de manière à ce qu'on puisse voir ce qui se passe. Et ça s'appelle qu'on est couvert. D'accord? Même si on n'est pas couvert par des vêtements, c'est pas grave, tu es couvert par de l'eau. Donc dans ce cas-là, tu pourras lire. Aval, mais attention, je t'ai dit que tu peux te couvrir. Aval, l'eau est cassée, l'eau bémaï maraïm, l'eau bémaï mishra. Si tu devais se tromper dans un mikvé, nauséabonde, maïm haraïm. C'est quoi des maïm haraïm? Des eaux nauséabondes. Il est quand même parti se tromper au mikvé, c'est un grand tadique. Il est parti le faire. Normal, il devait être pur. C'est tout ce qu'il y avait, un mikvé où il y a dedans toutes sortes de résidus de je sais pas quoi, de l'eau nauséabonde. Malgré tout, il est parti se tremper, il comptait prendre sa douche ensuite. Ou bien des mea mishra, des eaux de trempage de lin. Je ne sais pas exactement comment on fabrique le lin, mais on parle souvent de l'eau de trempage du lin qui dégage des odeurs nauséabondes. Dans ce cas-là, il ne pourra pas lire. Il a un interdit. Vous savez qu'il y a un interdit de lire. Peut-être que je continue encore quelques phrases, après on va expliquer. Achatil et Tochan Maïm, il ne pourra pas lire dans ces eaux-là jusqu'à ce qu'il va rajouter dedans de l'eau. Il va leur rajouter de l'eau dedans suffisamment pour qu'elle ne soit plus nauséabonde. On parle. Peut-être que j'introduis tout de suite. Il y a un, à part là, dans la Torah, comment c'est dit déjà, l'oirebcha ervat davar, on n'a pas le droit de dire quelque chose de, il y a deux interdits de lire devant quelque chose de, d'incorrect. Soit les interdits de erva, soit les interdits de choses nauséabondes. Soit, c'est explicite dans la Torah, dans Parashat, qui t'essaie. Là-bas, la Torah nous dit, quand tu partiras en guerre, même lorsque tu iras, à l'époque où ils faisaient leurs besoins en creusant un trou, ils faisaient dedans, c'est quand c'est dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Alors la Mishnah, la Torah a précisé que tu devras veillatet yala zanecha vechisitat tseatecha. Tsoatra ou tseatra, je ne sais plus. Tu devras avoir un pieu avec toi pour que tu creuses, comme ça tu pourras ensuite recouvrir. Vaya machanecha kadosh. Pour pouvoir, il faut garder un lieu de campement propre. Propre, ça implique deux choses, c'est-à-dire propre, il n'y a pas de choses nauséabondes, il n'y a pas d'excréments ou d'urine même. Il faut toujours tout couvrir. Alors l'urine, bon, c'est absorbé dans la terre en général, donc on n'a plus de problème. Mais sinon, on a un problème de dire une tfila ou une bracha à côté d'un endroit nauséabonde, ou un endroit où il y a quelque chose de découvert. Aussi, si jamais on est soi-même découvert, ou bien on a quelqu'un de découvert, c'est très embêtant, si on est dans le bus ou dans le métro, et qu'on a devant soi une femme juive, plus problématique encore, qui a les cheveux découverts, c'est un problème pour faire une bracha devant elle. La même chose aussi, quand vous voulez faire le kiddush, il y a quelqu'un qui n'a pas la tête couverte, c'est un problème. La tête couverte encore, c'est il y a peut-être plus lieu de permettre, mais les manches découvertes, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait? On a une solution, c'est soit de se tourner, ou soit de se tourner. C'est ce qu'on a concrètement. On ne va pas extrapoler sur tous les cas de figure, mais là, on se concentre sur deux choses. On a évoqué dans la partie précédente l'interdit de regarder sa nudité. Donc tu broues l'eau, tu floues l'eau, et dans ce cas-là, tu pourras lire. Et maintenant, on s'intéresse avec les choses nauséabondes. Si c'est un peu nauséabonde, par exemple, c'est de l'eau de trempage du lin, dans ce cas-là, tu rajoutes de l'eau suffisamment pour que maintenant l'odeur s'estompe et tu pourras lire. Maintenant, il manque un petit bout de phrase dans la Mishnah, parce que la Mishnah continue à me dire. Et si par contre c'était de l'urine, par exemple, tu ne pourras pas lire le schéma si tu as de l'urine à proximité, s'il y a une odeur. Nécessairement, je vous donne le principe très simple, de là où l'odeur se termine, tu commences à compter 4 amotes et sans les regarder. Vous avez compris, je recommence. Imaginez que je suis dans la rue. J'ai envie de dire une bracha, et je vois du chien, quoi, par terre. Il a fait un caca de chien, tout simplement. Il est posé par terre, devant moi, j'ai pas le droit de dire une bracha. Je dois, pour pouvoir dire une bracha, je dois faire deux choses. Trois même, on va dire trois conditions. D'abord, s'il y a une odeur, tu lis pas, quoi qu'il arrive, même si tu tournes, l'odeur est encore là, tu n'as pas le droit de dire. Tu t'écartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'odeur. Tu comptes là-bas 4 amotes, donc 2 mètres. 2 mètres à partir de la fin de l'odeur.
et tu tournes ta tête ailleurs, sans la voir, qu'elle ne soit pas devant toi. Et là, dans ce cas-là, tu as le droit de lire, de dire une bracha, de dire un pasouk. Même principe, la Mishnah vient me dire maintenant, de Vekama Yachik Mehem Omina Tsoa, combien il faudra s'éloigner de l'urine ou de la Tsoa. On n'a pas parlé d'urine avant, si je dis, il manque un bout de phrase dans la Mishnah, de me dire que tu pourras mettre de l'eau dedans, mais sur l'urine, tu ne pourras pas mettre de l'eau si jamais l'urine, elle sent encore fort. Vekama Yachik Mehem Omina Tsoa, et combien tu devras t'éloigner de l'urine. Je précise un peu mieux après, en tout cas de l'urine et des excréments, eh bien, arba amot, 4 amot, tu devras, mais aussi que tu ne les voyais pas, comme il nous dit le Bartanora, et dafka kshulitzdadim olacharav, c'est sur les côtés ou c'est derrière lui, mais les fanav, jusqu'à ce que tu ne les vois plus. D'accord? Précision très importante, d'ailleurs, je vais vous parler d'une alacha concrète qui s'est passée devant moi, je me rappelle, on était à la yeshiva, il y avait aussi des gens du quartier qui venaient prier à la yeshiva, et il y a eu un enfant qu'il se retournait pour aller aux toilettes, et d'un coup, il sent qu'il ne peut plus se retenir, donc il arrête sa file en plein milieu, il commence à monter sur un banc et à marcher sur un banc, et en plein milieu, ça lui sort tout. Il nous fait une belle flaque, on est tous en pleine amida, et maintenant on a une flaque d'urine devant nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus le droit de continuer une prière, c'est impossible, il y a de l'urine devant nous, impossible. Il y a une solution très très simple, qui résout tous les problèmes en fait. Bon, le gosse, bien sûr, on le fait sortir, qu'il aille se changer, parce que lui, devant lui, on n'a pas le droit de faire une fille là, parce que maintenant, il a le pantalon tellement mouillé que si on le touche, on a encore de l'urine, donc c'est impossible de faire une fille là devant lui. Maintenant, on a la flaque d'urine devant nous. Elle est sur le banc, un peu par terre. J'avais un copain, heureusement, qui connaissait bien la halakhote pour les applicables directement. Vous savez, des fois, on connaît des halakhote, mais on n'a pas la connexion directe pour réaliser que c'est la solution intéressante. J'avais un copain, il avait fini cette fille là, il est tout de suite parti chercher un cli avec de l'eau. Et il a versé dessus un revêt d'eau, et comme ça on annule tout simplement l'urine. S'il n'y a plus d'odeur, l'urine d'enfant normal qui boit normalement et qui n'est pas malade, ça va quoi, l'urine et l'odeur elle passe vite, donc tu as juste un problème avec l'urine dessus, tu casses la force de l'urine en versant dessus un revêt d'eau, et comme ça il a annulé l'eau, et on avait le droit de continuer ce qu'il a, sans aucun problème, vous avez compris la solution? C'est ce que le Michel est venu m'apprendre, regardez c'est écrit, « Les kama yirik mehem omina tsoa » Comment il devrait s'éloigner de l'urine ou de la tsoa? Arba amot. Si toutefois, hein, comme il nous dit, regardez, on va faire le ensemble de Bartanora, Achetil et Tochanmem, jusqu'à qu'il mette dedans de l'eau. Chisure Mirsera Verikhtane. Veloikra et Sel Meraglaim, Achiten et Tochanmaim. Il ne pourra pas lire à proximité de l'urine, Meraglaim, les os des pieds. Vous imaginez, c'est quoi les os des pieds? Les os des pieds, c'est l'urine. Dans la Gemara, dans le Mishnah, Meraglaim. Et jusqu'à qu'on mette dedans de l'eau. Veshiurmaim, Sheyatil, les Meraglaim, Shelpa Machat Revit. Pour chaque urine, tu mets dedans un revit d'eau et tu casses la force de l'urine, dans la mesure où il n'y a plus d'odeur, bien sûr. S'il y a une odeur forte, je crois que ça ne marche pas de donner, jusqu'à ce que l'odeur. Mais la plupart des urines de gens normaux, avec un révit d'eau dessus, on a déjà cassé l'odeur, on ne les sent plus, on a mis un révit. Un révit, pour vous donner une idée, c'est 86 ml. C'est-à-dire, vous prenez un verre en plastique, vous avez 200 ml. Vous avez 2,5 au moins. Un demi-verre d'eau dessus, tu as déjà cassé la force de l'urine, et tu auras le droit de continuer ta tefila, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sera.